Bonjour à tous, ma compagne a voulu acheter une armoire, parce qu'on vient de déménager, elle manque cruellement d'une solution de rangement pour ses vêtements. Elle a fait le choix d'acheter un meuble en aggloméré d'occasion, elle est passée par la marketplace. Donc là, on est sur un modèle dont je vous mets les références dans la description sous la vidéo, qui est très répandu. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était potentiellement utile de faire un rétexp vidéo. Il vient de chez Conforama, mais il existe quasiment la copie conforme. Enfin, je ne sais pas vraiment qui a copié qui chez IKEA, en une version légèrement plus haut de gamme. Neuf à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, j'ai trouvé le modèle chez Conforama. Il est annoncé à 200 euros. Elle a touché 70 euros d'occasion. Il y a quelques traces d'usure. Alors, comme vous le voyez, il y a une bonne part de la quincaillerie qui a déjà été installée. Moi, ce que je vais montrer, c'est surtout l'assemblage des planches en elles-mêmes. Et le particulier chez qui je suis allé récupérer ça m'a déjà fait une partie du travail. Il a fait ça bien, ça doit être un bricoleur. Il a mis des post-it et il a isolé les différentes pièces de quincaillerie. Donc c'est du 4 mm.
C'est normal que ces traits-là, enfin celui-là surtout, ne correspondent pas à l'emplacement de la planche. C'est simplement le volet derrière qui était coupé en trois segments égaux. Donc le fait que vous changez de position, ça ne changerait absolument rien ça.
Alors ici, on voit que ça a bougé. Mais en fait, ici, ça s'est pas mal décollé. Beaucoup même, ouais. On voit. Voilà, le jeu a disparu là. Donc là, après, il va falloir régler les charnières de manière à ce que ça soit plus adapté. Pour le moment, on peut les ouvrir et les fermer. Donc ma compagne va pouvoir installer ses vêtements, c'est l'essentiel. Je ne montre pas comment régler les charnières parce que je suis nul, c'est pas à moi de montrer ça. Je vous mets dans la description sous la vidéo le témoignage de quelqu'un qui a déjà fait une vidéo pour expliquer comment régler les charnières, enfin comment régler finement la position des portes entre elles via les charnières intérieures. J'ai quelques précisions à formuler. Déjà, le mode d'emploi de cette armoire, je ne l'ai pas trouvé très facile à trouver, notamment sur le site de Conforama, c'est pas très bien indiqué. Je vous ai mis dans la description sous la vidéo plein d'informations, y compris le lien qui vous emmènera directement sur la page de vente de Conforama, mais aussi sur le mode d'emploi. Bien que le mode d'emploi soit déjà un peu périmé, c'est à certains endroits, le système de vis de fixation ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ça change gros, globalement rien du tout. J'ai trouvé intéressant de produire cette vidéo aussi pour montrer que contrairement à ce que dit le mode d'emploi, il n'y a absolument pas besoin d'être deux personnes pour monter cette armoire. Et je pense que selon les situations familiales, les écueils de chacun, c'est rassurant de savoir que tout seul, ça se fait très bien. Alors attention, j'ai monté l'armoire dans une pièce et ensuite je l'ai déplacée dans une autre pièce. Je vous recommande de ne pas faire comme ça. Moi j'ai fait comme ça parce que j'avais besoin de prendre suffisamment de recul et d'avoir suffisamment de lumière pour filmer. Et c'est uniquement pour filmer. Si j'avais pas filmé, j'aurais fait ça directement. Je vous recommande de faire ça directement à l'endroit où l'armoire va être installée définitivement. Si vous appréciez ma démarche de retour d'expérience, de rétexte, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Pouvez-vous mettre un j'aime? Si vous aimez vous débrouiller un maximum tout seul par vous-même dans la vie de tous les jours, eh bien bienvenue. Je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher pour ce faire à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes précédents regroupés sous la thématique Astuces pour la maison, dans laquelle vous pourrez collecter, prendre connaissance, peut-être de nouvelles informations dont vous ne disposez pas encore pour vous enrichir intellectuellement concernant la capacité de chacun à entretenir, réparer, comprendre toujours mieux son foyer et à l'entretenir et le réparer soi-même.